Bonjour. Normalement, les micros, ça marche? Vous m'entendez? Bonjour. Donc, vous l'aurez reconnu. Je me mets au milieu? D'accord. Donc, vous l'aurez reconnu, je ne suis pas Michel Mayor. Hein. Mon nom est Pierre Bracci. Mais il est là, je vous rassure, il est là. Mon nom est Pierre Bracci, je suis astronome à l'Observatoire de Genève. Hein, donc, vous êtes ici, en fait. On vous souhaite la bienvenue, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes ici pour assister au lancement de Khéops. Malheureusement, et on vient de l'apprendre, il y a un problème avec le lanceur, donc Khéops ne part pas aujourd'hui. Je suis désolé de vous l'apprendre. C'est toujours le risque avec le spatial, avec le lancement de satellites. Vous comprenez, ça coûte tellement cher, on ne peut pas se permettre d'avoir le moindre doute sur le lancement. Khéops part avec un autre satellite italien qui lui fait à peu près 2000 kilos. Khéops, là vous avez une petite maquette à l'échelle 1/2. Ce satellite a coûté quand même 105 millions de francs, donc on ne peut pas se permettre d'avoir la moindre hésitation pour le lancement. Ceci étant, Khéops, c'est le premier satellite de l'Agence spatiale européenne qui a été construit sous direction suisse. Hein, donc c'est l'Université de Berne et l'Université de Genève qui sont les maîtres d'œuvre, si vous voulez, de ce satellite, de ce premier satellite suisse. Mais il faut quand même bien dire une chose, c'est que si Khéops existe, eh bien, c'est principalement grâce à la découverte d'il y a à peu près 24 ans maintenant de la première exoplanète autour d'une étoile qui ressemble à notre Soleil. Et cette première exoplanète a été découverte à l'Observatoire de Genève par Michel Mayor et Didier Queylo. Alors, nous avons ici donc Michel Mayor, je vous prie de l'accueillir avec tout le mérite qui se doit. Michel Mayor. Rockstar, c'est autre chose, c'est rien. Merci beaucoup. Je vois que même que le fait que Khéops ne part pas, bon, votre enthousiasme reste. Et donc, je vais pouvoir vous parler plus lentement de tout ce qui s'est passé dans le domaine des exoplanètes. Donc, il y a quand même des bons côtés, quoi. Enfin, voilà. Donc, mon rôle ici, c'est de vous parler d'abord du métier d'astronome, brièvement. Et puis après, bon, on parlera d'exoplanètes. Alors, et puis aussi, on parlera de la découverte elle-même. Alors, métier d'astronome, je veux dire, actuellement, pratiquement tous les astronomes, tous les astrophysiciens qui commencent dans ce métier sont des gens qui ont fait leur formation de physicien. Ils ont fait donc des études de physique à l'université et parfois ils se spécialisent dans un domaine particulier, puis ce n'est pas très important ça. Mais donc, je dirais la voie que vous devez viser si vous avez envie de contribuer à ce domaine, eh bien, c'est de devenir physicien. Par contre, il y a de plus en plus des centres d'exobiologie, c'est-à-dire c'est des centres pluridisciplinaires qui maintenant cherchent à comprendre les mécanismes de formation de la vie, la manière éventuellement de la détecter dans l'univers, de faire des expériences de laboratoire, aller chercher dans les vieilles roches terrestres les plus vieilles traces de vie. Et donc, alors ça, c'est un domaine beaucoup plus ouvert parce qu'il y a des biologistes, des chimistes, des physiciens, des géologues, etc., qui tous travaillent à ce domaine-là. Donc ça, et c'est un domaine qui va se développer, on en reparlera après, qui va se développer considérablement au cours des prochaines années. Cela dit, même si vous ne voulez pas être physicien, à l'observatoire, si vous venez, vous verrez qu'il y a des gens avec des profils très différents, des informaticiens, des mécaniciens, des électroniciens, etc., parce que le développement des instruments, eh bien, implique des compétences très diverses. Donc, à partir de là, je vais m'arrêter sur l'aspect de la formation, puis après, bon, peut-être qu'il y aura des questions là autour, si vous le voulez. Donc, maintenant,
je vais parler d'exoplanètes. On parlera, pendant ce moment-là, on parlera après de la découverte. Bon, on va parler un peu d'abord du cadre général. J'espère que vous avez au moins eu une fois dans votre vie l'occasion de regarder la Voie lactée. Maintenant, sortez une fois qu'il fait grand beau, dans un endroit où il n'y a pas de tube néon, pas de magasin, etc. Laissez votre œil s'acclimater. Je ne sais pas, après 10-15 minutes, il commence à être déjà bien acclimaté. 20 minutes, c'est mieux. Et vous regardez le ciel. Bon, ce n'est pas toutes les saisons qu'elle est bien visible. Et c'est une grande bande laiteuse sur le ciel. Laiteuse, hein, d'où le nom Voie lactée, hein, dans le passé. Et puis, c'est Galilée, en 1610, qui, en regardant avec une modeste lunette, voit qu'en fait, c'est une quantité d'étoiles faibles qui donne cette expression laiteuse que l'œil ne peut pas résoudre. Donc, il n'arrive pas à le voir. Donc, ça, c'est un grand système de 200 milliards d'étoiles, beaucoup, hein, 200 milliards de soleils qui tournent autour du centre de ce système. Et notre soleil, ce n'est qu'une étoile parmi ces 200 milliards. Alors là, vous voyez une autre galaxie. On peut pas sortir pour prendre la photo de notre propre galaxie, hein, comme ça. Donc, vous voyez ici des tas d'étoiles. Et si vous regardez bien, il y a des taches roses à certains endroits. Ces grosses taches. Chaque étoile, vous ne pouvez pas les voir à cette échelle-là. Quand vous voyez ces grosses taches, ce n'est évidemment pas une étoile, mais c'est un énorme nuage de gaz qui est excité par la lumière des étoiles jeunes qui se forment. On en reparlera. C'est l'endroit où se forment des étoiles. En permanence, dans la Voie lactée, vous avez de nouvelles générations d'étoiles qui se forment et on verra aussi des nouvelles générations de planètes. Donc voilà, ça c'est le cadre général. Notre galaxie, la Voie lactée, que je vous essayez de la voir une fois quand même, ça vaut la peine. Si vous voulez, dans l'hémisphère sud, c'est encore plus spectaculaire parce que le centre du système, il est dans le sud. Donc elle est encore plus lumineuse et plus spectaculaire si vous allez dans l'hémisphère sud. Si on regarde avec un télescope actuel, un tout petit endroit, mais vraiment un tout petit endroit du ciel, dans les régions centrales de notre galaxie, de la Voie lactée, eh bien, c'est quelque chose comme ça que vous voyez. Donc, des myriades d'étoiles, des grands nombres de soleils. Hein. Toujours, quand on dit étoiles, il faut penser que notre soleil, c'est une étoile. Simplement, elle est brillante parce qu'elle est plus proche. Alors, maintenant, vous voyez ça. Donc, le problème, il n'est pas du tout de trouver de nouvelles étoiles. Il y en a plus qu'on en veut. Il y en a autant qu'on en veut. Elles ne sont pas toutes les mêmes. Le soleil, il a, évidemment, par définition, la masse d'un soleil. Mais il y a des étoiles qui sont 10 fois plus légères, puis il y en a qui sont 100 fois plus lourdes. Mais la majorité sont plutôt des petites étoiles, comme le soleil ou plus petit. La question, c'est que vous vous posez, vous savez que autour du Soleil, il y a plusieurs planètes qui tournent, dont Mercure, Vénus, la Terre, Mars, etc., Jupiter, Saturne, etc. La question que vous vous posez, que certains se sont posés même depuis fort longtemps, est-ce qu'il y a des systèmes planétaires qui tournent autour de ces étoiles? Ça, c'était la question. On n'est pas les premiers à se la poser. Est-ce qu'il y a d'autres systèmes planétaires qui tournent autour d'autres étoiles? Et dans les temps plus anciens, les philosophes, il y a 2000 ans et plus, la formulaient d'une manière moins précise, disons, est-ce qu'il existe d'autres mondes dans l'univers? Et même, est-ce qu'il existe d'autres mondes habités dans l'univers? Donc, vous voyez, c'est une vieille question, il y a très longtemps. Donc, combien de planètes? Est-ce qu'il y a des planètes? Est-ce qu'il y a des planètes rocheuses? On y reviendra. Donc, je reviens à mes petits nuages roses. Enfin, petit nuage rose, c'est peut-être un peu abusif, hein, puisque c'est environ... Ça, c'est la nébuleuse d'Orion. S'il y a quelques astronomes amateurs parmi vous, vous l'avez peut-être vu avec une paire de jumelles. Hein, déjà, on arrive à la voir. Peut-être pas aussi belle que ça, mais on la voit. 100 000 fois la masse du Soleil. Un gros nuage, hein, comme ça. De temps en temps, pour des raisons diverses de physique, ce nuage va s'effondrer sous son propre poids.
Donc l'attraction de ces 100 000 masses vont faire que ça va se contracter, ça va se fragmenter, ça ne va pas former qu'une étoile. Ça va faire des milliers d'étoiles, nous bouffées d'étoiles qui vont se former. Et on va regarder ce qui s'y passe. Et le télescope Hubble, voici 25 ans aussi, grande année, eh bien, regarde la nébuleuse d'Orion, regarde des étoiles jeunes qui sont en train de sortir de la nébuleuse d'Orion. Et qu'est-ce qu'il voit? Alors, si on regarde là, eh bien, on voit ici que chaque étoile jeune, ici, est entourée d'un petit nuage noir. En fait, pourquoi? Parce qu'il y a des poussières qui sont autour de l'étoile, un disque de poussière et de gaz qui bloque la lumière qui vient de la nébuleuse, du nuage derrière, qui émet de la lumière. Et c'est ce que l'on attendait de confirmer par ce genre de mesures, c'est que toutes les étoiles jeunes sont entourées d'un disque de gaz et de poussière. On va pas faire beaucoup de physique, mais juste on peut comprendre pourquoi ça se passe. Quand le nuage, c'est extraordinairement turbulent quand ça s'effondre. Et donc, le gaz, il va se mettre à tourner. Quand la matière se rassemble pour former l'étoile, eh bien, peut-être que vous vous rappelez d'avoir vu une danseuse qui danse sur la glace, par exemple, et puis qui, tout d'un coup, ramène ses bras, eh bien, elle se met à tourner beaucoup plus rapidement. Et le gaz, quand il se rassemble autour de l'étoile, il va se mettre aussi à tourner de plus en plus vite. Et une partie du gaz et des poussières ne vont pas pouvoir tomber sur l'étoile, d'où la formation de ce disque. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais dans le Soleil, il n'y a pas de disque. Oui, mais simplement, le Soleil, il est vieux. Il a eu le temps de le perdre. Ça, c'est des étoiles jeunes qui ont seulement 4 millions d'années. Alors, pourquoi 4 millions d'années? Le Soleil, il a 4600 millions d'années. Donc, c'est 1000 fois plus jeune. Alors, vous avez environ, je vais me simplifier la vie en disant que vous avez 10 ans. Hein. Ça fait environ 4000 jours. 4000 jours divisé par 10 000, ou pas, qu'est-ce que je dis, par 1000. 4000 divisé par jour, ce serait l'équivalent d'un bébé de 4 ans, de 4 jours. Donc, on est d'accord, hein. C'est vraiment, en ce sens-là, si on le rapporte à l'âge du Soleil, c'est vraiment des étoiles jeunes. Et alors, ça, c'est le site de formation des systèmes planétaires. Après, il y a toute une suite de phénomènes physiques compliqués qui, dans ce disque de gaz, vont faire que les particules de poussière vont se coller, vont s'agglomérer, puis après, ça va faire des choses de plus en plus grosses, des sortes de cailloux qui vont se coller, pas très facile hein, de coller des cailloux, etc. Puis après, finalement, la gravité va aider pour former des choses de plus en plus grosses, des planètes. Voilà, ça, c'est la théorie en deux phrases de la formation des systèmes planétaires. Il y a beaucoup de physique là autour. Alors maintenant, comment les détecter? Il faut se rappeler, si on regardait le système solaire à une certaine distance, vous avez le Soleil, c'est un énorme réacteur nucléaire qui produit de la lumière, de l'énergie, comme ça, qui rayonne, etc. Les planètes, la Terre, par exemple, c'est un gros caillou qui fait que réfléchir la lumière qu'il reçoit du Soleil. Jupiter, c'est une grosse boule de gaz qui n'émet pas de lumière, qui fait que réfléchir la lumière du Soleil. Si on est à une certaine distance, eh bien, par exemple, dans le domaine visible, la Terre, elle est un milliard de fois plus faible que le Soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez, c'est ce que j'ai moi maintenant dans les yeux, vous avez une lumière qui vous éblouit, puis vous avez un ver luisant qui se trouve tout près de la lumière. Hein. Donc, on ne voit pas le ver luisant. Voilà. Donc, en tout cas, il y a 20 ans, maintenant, les choses ont un peu changé, on ne pouvait pas voir les planètes. Les planètes des autres systèmes. Oui, alors, là je vais être un petit peu, un peu lourd et insister. Une exoplanète, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une planète qui tourne autour d'une autre étoile. Donc, si vous devez vous rappeler d'une seule chose de cette conférence, c'est une exoplanète, c'est une planète qui tourne autour des autres étoiles. D'une autre étoile. Alors maintenant, si on ne peut pas les voir, alors comment on va les chercher? Comment on va pouvoir les détecter? Alors maintenant, vous avez l'étoile, vous avez la planète qui tourne autour, et en fait, la planète va faire un énorme tour. On ne la voit pas. Par contre, vous regardez l'étoile. Elle va faire un tout petit tour comme ça.
autour du centre de gravité. Comme elle est lourde par rapport à la planète, elle va faire qu'un tout petit voyage comme ça autour du centre de gravité. Donc, idée, mesurer les variations de vitesse de l'étoile. Alors, comment est-ce qu'on peut mesurer la variation de vitesse de l'étoile? Bien, on doit parler de l'effet Doppler. Alors, je vais vous donner un petit cours de physique rapide. L'effet Doppler, il est vrai pour toutes les formes d'ondes qui se propagent. Les ondes des vagues à la surface d'un éton, les ondes acoustiques, par exemple, émises par une ambulance qui vient avec un train qui a un sifflet, ou alors les ondes lumineuses. Alors, regardons comment ça se passe. Ici, vous avez un petit insecte qui saute sur un éton. S'il saute sur place lui-même, il va faire des vagues circulaires qui vont partir autour de lui. Si maintenant, en même temps qu'il saute, il avance à chaque fois d'un pas, eh bien, vous n'avez aucune difficulté à imaginer qu'en avant de son mouvement, les vagues vont être plus serrées qu'à l'opposé. C'est l'effet Doppler. Après, on peut l'écrire, on peut discuter là autour, mais c'est ça la compréhension simple de ce qu'est l'effet Doppler. Alors ça, c'est pour les vaguelettes sur un éton. Par contre, il y a le même phénomène dans le domaine des ondes lumineuses. Donc, on va utiliser ça pour étudier les variations de vitesse des étoiles. Alors, un petit dessin. On voit ici le centre de gravité, c'est la croix. La croix qui est là, et on voit l'étoile qui est lourde, qui fait un petit tour autour du centre de gravité, la planète qu'on ne voit pas, qui tourne, enfin là on la voit, mais qui tourne, et puis il y a un télescope qui regarde. Et donc, qu'est-ce qui se passe? À certains moments, vous avez un diagramme ici, la vitesse en fonction du temps, la vitesse, l'étoile s'éloigne, se rapproche, et les longueurs d'onde ici vont changer. Les longueurs d'onde qu'on va pouvoir, les couleurs émises par l'étoile, on va pouvoir les séparer par un instrument adéquat et on va pouvoir osciller les couleurs. Alors c'est tout petit. Hein. La Terre, c'est 300 000 fois plus légère que le Soleil. Donc on voit que le Soleil, lui, n'est pas tellement perturbé par l'orbite de la Terre, mais on a la chance en astronomie d'avoir énormément de transitions atomiques dans le spectre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une plage lumineuse continue, comme vous le voyez ici sur le dessin, mais en fait, il faut voir, c'est un arc-en-ciel avec des tas. Quand je dis des tas, c'est 60 000, par exemple, transitions atomiques dans le spectre. Donc, on va essayer de voir bouger cette forêt de rayons noirs, ici. Après, c'est un problème d'instrumentation. Hein. Après, il va falloir développer... Ah, très bonne idée. On va donc construire un instrument qu'on appelle un spectrographe qui va d'abord séparer les couleurs émises par l'étoile, puis après essayer de mesurer justement ce changement de forêt, de rayons atomiques pour voir des tout petits changements. Alors voilà, nous on a commencé à travailler donc à l'Observatoire de Haute-Provence, donc dans le sud de la France, comme ça. C'est la région qui se trouve, la région de Manosque, si quelqu'un connaît un peu là-bas. Là, il y a un ancien observatoire, il a 70-80 ans, etc. Donc le télescope était relativement ancien. Ce qui a été original, c'est le développement de cet instrument avec des collègues français qui est sous le télescope. On conduit la lumière avec une fibre optique dans cet instrument qui va séparer les couleurs pour voir bouger. C'est comme ça, un instrument très... On essaie qu'il soit extrêmement stable parce que c'est des tout petits effets. Alors, en 1994, on a commencé... Ça, c'est, l'instrument était prêt, il était tout neuf. On a commencé à un programme qui visait à chercher les compagnons les plus faibles autour des étoiles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les compagnons les plus faibles? Ça veut dire que c'était, par exemple, des tout petites étoiles avortées qui tournent autour des étoiles, ça existe, qui s'appellent des naines brunes, ou alors des planètes.
Alors, notre instrument était, comment dire, il était bien, il était très précis pour, à l'époque, mais il pouvait, comment dire, on s'intéressait surtout aux planètes les plus faciles à trouver, qui étaient les planètes géantes comme Jupiter. Jupiter, il est 300 fois plus lourd que la Terre. Donc, évidemment, il va faire bouger plus vite, d'une manière plus importante, l'étoile, le Soleil, dans le cas particulier. Donc, ce que l'on va faire comme ça, on dit éventuellement, on va pouvoir trouver des planètes comme Jupiter, ou Saturne, ou comme ça. Et la théorie nous disait que ces planètes géantes ne pouvaient pas avoir des périodes plus courtes que 10 ans. Donc, on se disait, on a le temps, on aura beaucoup d'années, de programmes pour mesurer. Et la surprise, c'est que très vite, eh bien, on apparaît. La majorité des étoiles, elles ont des vitesses plus ou moins constantes. Donc, on mesure la vitesse une nuit, on remesure la vitesse quelques nuits après, on la remesure quelques mois après, etc., etc. Et puis, quand on analyse toute cette série de mesures, beaucoup d'étoiles, on ne voit pas beaucoup varier la vitesse. Et il y en a tout d'un coup une où on peut voir un mouvement périodique de la vitesse, exactement ce que l'on cherchait, à savoir, à certains moments, elle s'approche de vous, à certains moments, elle recule. Et la surprise, c'est de trouver un objet qui tourne en 4 jours autour de son étoile. Donc, l'orbite, c'est 4 jours. Qu'est-ce que ça veut dire ? La Terre met 365 jours pour faire un tour du Soleil. Là, cet objet fait un tour en 4 jours. Donc, ça veut dire que c'est une planète comme Jupiter, mais qui est très, très, très près de son étoile et qui tourne comme ça en 4 jours. Voilà. Ça, c'est l'objet étrange qu'on trouve. Donc, on a des problèmes. On n'est pas en train de dire des bêtises. Comment dire, quand on a un facteur de 1000 de désaccord avec la théorie, on se pose des questions. Donc, on décide d'attendre la saison suivante, de refaire les mesures pour essayer d'éliminer, comment dire, d'autres interprétations possibles physiques. Est-ce que c'est vraiment une planète ou est-ce que c'est pas autre chose ? Alors, on va peut-être pas éliminer tous les phénomènes, mais ça pourrait être une étoile qui pulse. La surface, elle vient vers vous, elle repart, par exemple. Voilà, donc il y a différentes possibilités. Et finalement, on arrive à se convaincre que c'est vraiment une planète. Bon, à partir de là, les choses s'emballent. D'une part, des tas d'autres groupes dans le monde essayent de faire la même chose sur d'autres étoiles. Il y a d'autres objets qui sont découverts. Et puis nous, on a un bel instrument en Haute-Provence, mais on peut faire mieux. Alors on développe un nouvel instrument qu'on va mettre au Chili sur un plus grand télescope, un télescope de 3,60 m. Comme je dis, un télescope de 3,60 m, ce n'est pas la longueur du tube, c'est la dimension du miroir. Enfin, comme un gros télescope, hein, le miroir de 3,60 m. Et alors, voilà, ça c'est à quoi ressemblent un petit peu ces instruments qu'on appelle les spectrographes, donc qui séparent les longueurs d'onde pour mesurer les variations de vitesse. Construit à l'Observatoire de Genève. Et pour donner... Alors, il y a différents... Le premier instrument que j'ai bien montré, il est installé sur un observatoire qui s'appelle La Silla, 2400 mètres d'altitude, à 600 km au nord de Santiago, au sud du désert d'Atacama. Ça, c'est un autre observatoire où on a après développé d'autres instruments encore plus ambitieux qui sont sur le sommet du mont Paranal, qui se trouve au cœur du désert d'Atacama. Voilà, ça c'est le genre d'ambiance de où l'on travaille, comme ça. Et là, c'est 4 télescopes dont le miroir fait 8 mètres de diamètre. 8 mètres de diamètre, c'est beaucoup, hein. Un miroir qui est grand comme ça, et dont la surface doit être précise à mieux que, disons, 10 fois la longueur d'onde utilisée. Alors, quand on utilise une longueur d'onde qui est une fraction de millième de millimètre, ça entre dans des choses qui sont bien plus petites que le dixième de millième de millimètre pour la forme complète du télescope, enfin du miroir que l'on utilise. Voilà, ça c'est le grand observatoire européen qui se trouve au mont Paranal. Alors, on commence à faire des mesures systématiques d'un énorme échantillon d'étoiles, avec une précision qui est encore bien meilleure que ce qu'on avait au début, avec cet instrument. Et alors, actuellement, il y a 4 000 systèmes planétaires qui ont été trouvés.
Donc, je ne vais pas vous parler de tous. Je vous en montre un pour dire un petit peu le genre de travail que l'on fait. Alors, ici, ça, c'est trop gros. Alors, imaginez, ici, vous avez la vitesse radiale verticalement, et ça, c'est le temps. Et c'est des mètres par seconde, hein, verticalement. Chaque nuit où vous faites une mesure, ça fait un point rouge. Vitesse, date, etc. Et puis, vous voyez cette forêt de points rouges sur le diagramme du haut, là. Et qu'est-ce que vous dites? Bon, on a l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Et en fait, vous dites, bon, ben, il doit y avoir une planète de plusieurs années. Chaque groupe de points, ça correspond à peu près à enfin, ce qui est fait dans une saison. Et puis, après, vous laissez l'ordinateur se débrouiller, d'où le fait qu'il faut des informaticiens, qui vont essayer d'analyser est-ce que vraiment il n'y a qu'une planète. Et en fait, quand ils analysent, ils s'aperçoivent qu'il y en a sept. En fait, pourquoi? Parce que si vous avez une planète, eh bien, l'étoile se rapproche de vous, s'éloigne, se rapproche, etc. Si vous avez deux planètes, ça va faire un truc comme ça. Ils n'ont pas la même période. Comme ça. Quand il y en a sept, ça devient plus compliqué. Et l'ordinateur, lui, arrive à séparer les sept mouvements. Ça, c'est un exemple d'un système qu'on a découvert. Il y a sept planètes. Donc, ça commence à ressembler à notre système solaire, à une différence près. C'est que si vous regardez ici les périodes trouvées, un jour, six jours, 16 jours, 50 jours, 120 jours, etc., ce n'est pas du tout ce qu'on a chez nous. Des planètes d'un jour, il n'y en a pas dans le système. Six jours, il n'y en a pas, etc. Donc, ça, c'est une des découvertes qui a été faite au cours des dernières années, pas que par nous, par tous les gens qui ont travaillé dans le domaine. C'est l'énorme diversité des systèmes planétaires. Le système solaire n'est de loin pas le seul exemple qui se trouve dans l'univers. Alors, il y en a beaucoup d'autres systèmes qui ont été trouvés. Puis après, il y a une bonne surprise qui arrive. Comme il y a des planètes qui ont des périodes aussi courtes qu'un jour, quelques jours, maintenant on en a même de quelques heures, comme ça, elles sont très près de leur étoile. Donc, il y a une bonne chance que de temps en temps, il y ait une éclipse. Alors, quand la planète passe devant l'étoile, on parle de transit planétaire. Donc, mais pour s'imaginer, c'est l'équivalent un peu d'une éclipse. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez l'étoile, vous avez votre télescope, la planète passe devant et vous avez une toute petite baisse de luminosité périodique. Et ça, c'est ce qu'on essaye de trouver. Alors, en la fin de 1999, on avait trouvé une planète, une autre, qui avait 3 jours et demi. Et c'était évidemment 3 jours et demi, c'était un bon candidat parce qu'elle était assez proche de son étoile pour chercher s'il y avait une éclipse, un transit. Et on fait la mesure, enfin plus exactement, on donne l'information à des collègues américains et on leur dit c'est exactement à tel moment que vous avez une chance éventuellement de voir passer la planète. Et exactement à l'heure voulue, comme ça, eh bien, vous avez ici, vous avez le flux, la luminosité de l'étoile en fonction du temps, et on voit que ça baisse un peu plus de 1%. Donc, la luminosité de l'étoile baisse périodiquement de 1%. Je vais encore décrire le deuxième domaine. Ici, vous avez la même mesure, mais faite au-dessus de l'atmosphère terrestre. Ça veut dire que là, on n'a pas tous les ennuis liés aux nuages, aux imperfections de l'atmosphère terrestre. Donc, regardez la qualité de la mesure. Donc, vous arrivez à une précision incroyable sur ça. Donc, tout de suite, vous vous dites, ah, mais si une planète géante, on la trouve aussi facilement que ça, eh bien, on pourrait peut-être trouver des planètes beaucoup, beaucoup plus petites. Alors, on va faire un petit calcul ensemble. Jupiter, son diamètre, c'est à peu près 10 fois plus petit que le Soleil. Le diamètre du Soleil. Donc, la surface du disque de Jupiter est environ 1/100 de la surface du disque du Soleil. Donc, quand Jupiter passe devant le Soleil, on ne peut pas le voir, hein, parce qu'on est à l'intérieur, mais si on pouvait le voir, eh bien, ça ferait baisser la luminosité du Soleil de 1%. C'est plus ou moins ce qu'on a là. Si maintenant, la Terre, c'est environ 1/100 du disque du Soleil.
Donc ça veut dire un centième par un centième, fois un centième, parce que c'est une surface là, eh bien c'est un dix millième. Donc la Terre, ou l'équivalent de la Terre passant devant le Soleil, eh bien ferait baisser la luminosité que de un dix millième. Vous n'y arrivez pas depuis le sol, les imperfections de l'atmosphère terrestre font que ce n'est pas possible. D'où l'idée, il faut aller dans l'espace, et c'est exactement ce qui devrait se passer aujourd'hui à cette heure-là, puisque le satellite Khéops, c'est exactement un satellite qui avait pour but d'étudier des phénomènes comme ça avec une plus grande précision photométrique, une énorme précision. Mais alors maintenant, donc vous voyez, maintenant la quête, c'est d'aller chercher des planètes qui sont de la dimension de la Terre qui passe devant, et si oui, peut-être même avec des périodes de l'ordre de l'année. Voilà. Ça, alors maintenant, qu'est-ce qu'on apprend en faisant ça? La première chose qu'on apprend, et c'est évident, c'est la dimension de la planète. Puisque la théorie, les astrophysiciens sont capables de dire quels sont les diamètres des étoiles, donc c'est un centième ou un dixième, si la baisse était d'un centième, ce serait le diamètre relatif et un dixième du diamètre de l'étoile. Donc, comment dire, on a un outil qui nous permet de donner la dimension des planètes. L'effet Doppler, lui, il vous donne la masse. Vous avez une sphère, donc vous avez la masse, vous avez le diamètre, et en tout cas, certains d'entre vous devraient pouvoir faire le calcul, comment dire, quelle est la densité moyenne de cet objet. Et on fait le calcul, et ce que l'on trouve, c'est que ces objets qu'on appelle les Jupiter chauds, ici, eh bien, sont des planètes géantes qui ont des densités de 0,3 grammes par centimètre cube. L'eau, c'est 1 gramme par centimètre cube, donc ça, c'est beau. En moyenne, je dis bien en moyenne, au milieu, c'est pas vrai, mais en moyenne, eh bien, cette planète est moins dense que de l'eau. Donc, c'était la preuve directe. Ici, on avait des planètes géantes, gazeuses, comme Jupiter. Les derniers sceptiques ont été convaincus, enfin, que vraiment on avait trouvé des planètes. C'était 4 ans après la découverte. Puis après, ça a donné des idées à différents groupes, différentes agences spatiales. Donc, avant Khéops, il y a eu 3 satellites qui ont été, 3, 4, ça dépend comment on compte, qui ont été consacrés à ce phénomène-là. Le satellite Corot, lancé par l'Agence spatiale européenne, le satellite Kepler, qui a été lancé par la NASA, télescope beaucoup plus important, de l'ordre du mètre, sur orbite, et puis encore après, encore TESS, et puis maintenant Khéops, etc. L'idée est incroyablement simple, la réalisation est difficile. Vous construisez un satellite avec un détecteur précis, un CCD, mais très très précis, et qui regarde en permanence le même coin du ciel. Vous regardez comme ça, il tourne autour de la Terre, mais toujours en regardant le même coin du ciel. Et vous choisissez un coin où il y a beaucoup, beaucoup d'étoiles, un peu comme on a vu au début, hein, comme ça, 100 000 étoiles. Vous voyez un coin où il y a 100 000 étoiles. Et puis, vous mesurez pendant 3 ans. Et vous avez des mesures toutes les demi-heures ou toutes les 10 minutes, des points, pour 100 000 étoiles. Et puis après, vous analysez, est-ce qu'il y a des variations? Alors, il y a des étoiles qui embêtent, hein, elles chahutent parce qu'elles ont des phénomènes physiques, des variations, des pulsations. Et il y en a de temps en temps où ça fait exactement. Et actuellement, le satellite Kepler trouve plusieurs milliers d'étoiles où il y a des transits devant ces étoiles. Donc ça a été une source énorme de découvertes récemment. Et ce diagramme-là que je vous montre, je mets les rayons mesurés par le satellite Kepler en unité terrestre, 1 fois, 4 fois, 10 fois le rayon de la Terre, et les périodes des objets trouvés, 1 jour, 4 jours, 10 jours, etc. Et le satellite Kepler a trouvé des milliers de planètes par cette technique que Khéops va étudier en détail. Et alors là, je vais vous montrer juste encore un point ici. Vous voyez des points qui sont rouges. Ça veut dire quoi? C'est qu'on a trouvé 6 planètes qui tournent autour de la même étoile.
Donc ça devient un jeu extrêmement compliqué, parce que vous avez des baisses de luminosité, mais certaines qui tournent avec une certaine période, d'autres avec une autre période, etc. Puis on en a qui en ont 5 points, 5 planètes. Donc en fait, on découvre par ce moyen des milliers de systèmes planétaires comme le nôtre, ou très différents dans leurs détails, dans leur structure. Voilà, ça encore une autre chose, c'est amusant parce que, vous dire, on ne les voit toujours pas, mais le nombre de choses, on a leur masse, on a leur diamètre et tout. Puis ça, il y a une autre chose qui est amusante. Vous prenez un satellite qui mesure la lumière dans l'infrarouge. Donc, l'infrarouge, c'est comme dire, quand vous avez oublié, par exemple, une plaque électrique qui devient rougeoyante, hein, le rayonnement qui est émis par cette plaque surchauffée, etc. Et alors, quand l'étoile... Quand la planète passe devant l'étoile, on a vu, ça cachait un peu de la lumière de l'étoile, et puis vous pouvez mesurer le diamètre de la planète. Mais quand la planète passe derrière l'étoile, vous avez une baisse de la luminosité infrarouge. Et pourquoi ? C'est exactement comme si vous avez oublié votre plaque électrique, et puis tout d'un coup vous mettez un écran qui cache la plaque électrique. Tout d'un coup vous avez moins de rayonnement infrarouge qui arrive dans votre figure. Et donc, quand vous faites cette mesure-là, le fait de pouvoir voir baisser la luminosité infrarouge, ça vous dit la température de la planète. Voilà. Juste pour donner une odeur de ce qu'on peut tirer des transits, on peut apprendre des foules de choses. La composition chimique des atmosphères planétaires et tout. C'est un outil incroyable, Khéops. Voilà. C'est pour ça qu'on s'y intéresse. Et puis après, l'histoire continue. À l'Observatoire de Genève, donc on a vu cet instrument précédent, la photo, et puis eh bien, récemment, eh bien, mes collègues de Genève ont développé une nouvelle génération de spectrographes qui s'appelle Espresso et qui est connecté cette fois-ci à 4 télescopes de 8 mètres. Alors 4 télescopes de 8 mètres, c'est l'équivalent d'un télescope de Faux. J'ai fait exprès. Hein. 16 mètres. Parce qu'il faut... Les surfaces, il faut... Voilà. Donc, c'est l'équivalent d'un télescope de 16 mètres. C'est gigantesque. Et ça, vous avez la dimension de cet instrument qui était dans une énorme cuve à vide. C'est un spectrographe exactement dans la même idée de ce que j'ai dit, et qui est alimenté par les fibres optiques ou des miroirs, des jeux de miroirs, qui arrivent des 4 télescopes. Et vous voyez la taille de cet instrument, il y a des mannequins là, qui donnent l'échelle de ce genre d'instrument. Et on peut se poser à quoi ça sert de faire tous ces efforts. À quoi ça sert de faire un tel effort qui vise à chercher des planètes petites, rocheuses. Alors peut-être, la Terre, est-ce que c'est une planète rocheuse ou pas ? Oui, je vais essayer de vous expliquer. Il y a une expérience que vous pouvez faire. Prenez une orange de 12,7 cm de diamètre. Vous la plongez dans un baquet d'eau, vous secouez, et bien la quantité, le film d'eau qui va rester à la surface de l'orange, c'est à peu près dans la même proportion que les océans sur la Terre. Donc la Terre, c'est un gros caillou mouillé. C'est essentiellement une planète rocheuse avec de l'eau un petit peu... 12 000 km de diamètre, 3 km de moyenne pour les océans. Donc, réellement, les océans, c'est peu de choses à l'échelle de la Terre. Donc, c'est réellement une planète rocheuse. C'est ce que les astronomes cherchent actuellement à détecter avec ces grands télescopes. Et la question qui se cache là derrière, c'est le problème de la vie. Est-ce qu'il existe de la vie sur ces autres planètes? En gros, comment doit-on considérer la vie ? Est-ce que c'est une sorte de... Comme dit ce monsieur, dont je n'ai même pas traduit mon image, c'est un prix Nobel de biologie, qui voit la vie comme un impératif cosmique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quand toutes les conditions, température, etc., chimie, etc., sont présentes, eh bien, est-ce que la vie va émerger spontanément ? Donc, en fait, c'est tout le problème de comment doit-on considérer la vie dans l'univers. Est-ce qu'on est une sorte de sous-produit de l'évolution de l'univers?
Et donc, évidemment, avec toutes les conséquences que ça peut avoir au niveau philosophique, mais aussi pour beaucoup d'autres raisons. Et puis, l'histoire continue. Actuellement, l'ESO, l'observatoire européen dans l'hémisphère sud, construit le plus grand télescope qui aura jamais été construit dans le domaine optique, 39 mètres de diamètre. 39 mètres de diamètre, je ne suis pas sûr, mais on n'arriverait même pas à mettre le miroir dans cette salle. Voilà, un miroir qui est plus grand que cette salle, qui est en cours de construction. Ce n'est pas un rêve de fou, c'est un télescope en cours de construction actuellement dans le désert d'Atacama, à 2800 mètres d'altitude, comme ça, et qui, ce n'est pas un seul bloc, hein. c'est un ensemble d'hexagones qui sont calculés exactement et puis qui sont montés sur des actuateurs qui vont les orienter d'une manière parfaite. Donc voilà, le rêve continue et après ce sera à vous de continuer à chercher la vie dans l'univers ou d'autres choses avec des instruments comme ça. Cet instrument, il ne va pas chercher que des planètes, il va aussi s'intéresser à d'autres problèmes tels que par exemple l'évolution de l'univers comme un tout. Merci. On va passer le speaking. Ouais. Ah ouais, alors, j'ai plus envie d'être une rockstar, j'ai tout ce qu'il faut. Donc. Merci. Merci beaucoup, Michel. Bon, maintenant, vous savez tout sur les exoplanètes, hein, à peu près. Alors, avant de vous parler de Khéops, que vous voyez ici, on a fait un petit film, ça dure, c'est pas long, hein, c'est 3-4 minutes, pour vous expliquer un peu ce qu'est Khéops et ce que va faire Khéops. Une gigantesque boule de gaz si proche de son étoile qu'elle ressemble à un œuf. Un monde qui absorbe tellement de lumière qu'il est devenu plus noir que le charbon. Un corps rocheux et humide situé juste à la bonne distance qu'une forme de vie pourrait y habiter. Ce ne sont là que quelques-unes des planètes connues en orbite autour d'autres étoiles que notre Soleil. Les astronomes les appellent exoplanètes. Trouver ces planètes est déjà difficile, mais découvrir les caractéristiques qui les rendent si différentes, comme leur taille, leur forme ou leur composition, l'est encore plus. Pour relever ce défi, un partenariat européen composé de 11 pays, mené par la Suisse et l'Agence spatiale européenne, a construit Khéops. Un petit satellite qui tourne autour de la Terre et observe les mondes que nous avons trouvés auprès d'étoiles brillantes afin de mieux les connaître. Comme il est très difficile d'observer directement les exoplanètes car elles sont cachées par la luminosité de leur étoile, la plupart des astronomes ne font pas d'observation directe des exoplanètes. Khéops non plus. Ils étudient plutôt comment la présence de la planète modifie la lumière provenant des étoiles autour desquelles elle gravite. Khéops embarque un photomètre, un instrument qui mesure la lumière avec une très grande précision et se concentre sur deux objectifs. Mesurer très précisément la taille des petites planètes, essayer d'en savoir plus sur l'atmosphère des grandes exoplanètes très proches de leur étoile. Khéops pourrait également nous renseigner sur l'existence d'autres objets, tels que des exolunes ou des exoanneaux. Pour mesurer avec précision la taille des exoplanètes, Khéops emploie la méthode de photométrie en transit. Quand une planète passe devant son étoile, ce qu'on appelle un transit, elle masque une petite partie de sa lumière. Pendant un instant, l'étoile brille moins. Et cette baisse de luminosité dépend de la taille de la planète. Il existe des planètes de toutes les tailles, et les plus grosses masquent davantage de lumière stellaire que les plus petites. Ces différences sont minimes, mais les mesurer avec Khéops va permettre aux astronomes de connaître la taille exacte d'une planète, appelée son rayon.
Khéops est unique car il va se concentrer principalement sur les planètes dont nous connaissons déjà la masse afin de mesurer leur taille. Connaître la masse et la taille d'un monde permet de calculer sa densité. Même sans observer les exoplanètes directement, nous collecterons des données primordiales sur leur composition. Sont-elles rocheuses comme la Terre ou gazeuses comme Jupiter? Sont-elles des mondes de glace ou peuvent-elles abriter de l'eau liquide à leur surface? L'autre objectif de Khéops porte sur les grandes planètes gazeuses qui tournent dangereusement près de leur étoile. Les astronomes les appellent des Jupiter chauds. Khéops est capable de mesurer les variations de lumière émanant d'une étoile quand des planètes géantes orbitent autour, faisant un peu comme les phases de la Lune. Ces relevés sont appelés courbes de phase et nous indiquent la quantité de lumière reflétée ou absorbée par la planète appelée son albédo. L'albédo d'une planète révèle des informations importantes sur son atmosphère. Il permet de répondre à des questions comme « La planète possède-t-elle des nuages et de quoi sont-ils faits ? Ce nouveau monde est-il chaud ?» Par exemple, une planète avec des nuages blancs, comme la Terre, reflète plus de lumière qu'une planète avec des nuages noirs. Au service des astronomes d'Europe et du monde entier, Khéops va jouer un rôle crucial dans l'étude de centaines de mondes appartenant à notre galaxie. Il montrera la voie aux instruments qui lui succéderont et désignera les cibles les plus intéressantes à étudier. Il recueillera des informations capitales sur la formation et l'évolution des planètes et apportera peut-être des éléments de réponse aux questions portant sur nos origines et sur la présence d'autres formes de vie dans l'univers. Donc là, on a parlé un peu de ce que va faire Khéops. Je vais vous raconter en quelques phrases l'histoire de Khéops. Comment ça se fait que l'Université de Berne et l'Université de Genève ont été mandatées par l'Agence spatiale européenne, l'ESA, pour construire ce petit télescope. Alors, c'était dans les années 2010, l'Agence spatiale européenne. Vous savez, une mission spatiale, c'est très long. On a envoyé des sondes autour de Saturne, on a envoyé des robots sur Mars. Le temps de la conception, de la construction, et après du voyage, et puis d'avoir les données, ça prend à peu près 20 ans, l'ordre de grandeur. Et l'Agence spatiale européenne voulait faire des petites missions, mais rapides. Le défi, c'était le suivant. Voilà, on prévoit 100 millions, et vous avez 4 ans pour construire un satellite. Faites-nous des propositions, donc à tous les pays qui sont membres de l'Agence spatiale européenne, dont la Suisse. Nous, on fait partie de l'Agence spatiale européenne. La Suisse paye à peu près 5% du budget de l'Agence spatiale européenne. Donc, il y a des propositions qui sont arrivées. Il y a 26 propositions des pays européens qui sont arrivées sur le bureau de l'ESA, dont la proposition de l'Université de Berne, c'était le satellite Khéops, pour mesurer, comme l'a dit Michel Mayer tout à l'heure, très précisément le diamètre des exoplanètes. Et ça a été accepté par l'ESA en 2012, et la construction de ce satellite a commencé. Alors, tout n'a pas été construit en Suisse et à Berne. À Berne, principalement, ils se sont surtout occupés de la partie que vous voyez ici, qui est du télescope. Même le miroir n'a pas été fait à Berne, le miroir est italien, c'est un petit miroir. Le miroir, il fait 33 cm de diamètre. Il n'y a pas besoin d'avoir un très gros télescope pour faire des mesures très précises. Simplement qu'il faut aller en dehors de l'atmosphère, parce que l'atmosphère nous embête. Donc, il faut vraiment aller dans l'espace pour avoir des mesures aussi précises que l'a dit Michel Mayer tout à l'heure. Il y a beaucoup de pays européens qui participent à la construction de ce satellite. Par exemple, vous avez ici les panneaux solaires qui sont faits en Espagne. Vous avez les radiateurs. Ça, ce sont des radiateurs pour refroidir la caméra qui prend les images derrière. Ces radiateurs ont été faits en Hongrie. Cette porte que vous voyez là, donc le satellite, quand il va partir,
Il est fermé comme ça, hein, pour éviter que les poussières rentrent dans le télescope et comme ça pour pas perturber les mesures. Alors cette porte, quand le satellite est dans l'espace, eh bien il faut qu'elle s'ouvre, hein, sinon on a l'air un peu bête. Hein. C'est-à-dire que si la porte ne s'ouvre pas... Donc cette porte, elle a été fabriquée par un institut en Belgique, etc., etc. Il y a à peu près une dizaine de pays qui ont participé à la construction de ce satellite sous direction suisse, donc l'université de Berne. Et puis, une idée qui a été émise par Willy Benz, donc le principal investigateur, si vous voulez, le patron de Khéops, était de faire participer un peu la population et principalement les enfants de votre âge. Alors on a demandé à tous les enfants d'Europe, des pays membres de l'Agence spatiale européenne, de faire des dessins qui sont attraits à l'espace. Donc je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont fait des dessins. Ce sont les classes du cycle, hein, qui ont fait des dessins. Et ces dessins ont été sélectionnés, donc il y en a 2780 exactement, qui ont été sélectionnés dans tous les pays d'Europe. Il y en a 888 qui ont été sélectionnés pour la Suisse et 190 et quelques pour Genève. Donc parmi vous, il y a peut-être des dessins qui vont partir dans l'espace. Alors ces dessins ont été gravés sur des plaques que vous voyez ici. Voilà, vous avez cette plaque ici. Alors sur cette plaque, il y a 1500 dessins qui ont été gravés au laser. Et vous pouvez revoir ces dessins sur le site, on va le montrer après tout à l'heure, de l'Université de Berne. Et ces plaques ici, qui sont fabriquées en titane, donc qui sont très légères, parce que évidemment, on cherche à limiter le poids au maximum, hein, sur les satellites. Chaque kilo, c'est l'ordre de 100 000 francs. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir des trucs lourds pour mettre sur le satellite. Donc ce sont des plaques en titane très légères qui sont collées sur le satellite ici. Et ces dessins vont donc partir dans l'espace avec Khéops. Enfin, on espère, hein, puisqu'il devait partir aujourd'hui. Mais voilà, il y a un problème avec le lanceur. Donc ça, ça arrive de temps en temps quand même, hein, des problèmes avec les lanceurs, où il peut y avoir un problème technique, ou même des fois c'est la météo. Hein. La météo, il fait mauvais temps, il y a de l'orage, ça les fusées, elles n'aiment pas du tout. Donc voilà. Alors, il ne part pas aujourd'hui, mais il peut partir demain ou après-demain. Ça dépend si les ingénieurs et les techniciens de l'ESA arrivent à trouver la source de la panne. Parce qu'il faut savoir que dans la fusée, on remplit la fusée avec le carburant. C'est un carburant qui est quand même assez dangereux. On ne peut pas garder ce carburant, on ne peut pas garder la fusée pleine plus de 3 ou 4 jours. Hein, donc il faut absolument, on a une fenêtre, là c'est jusqu'au 19, où on peut lancer la fusée. Donc on espère évidemment que cette fusée sera lancée demain ou après-demain. Mais si on ne trouve pas la panne, eh bien, ça veut dire qu'il faut vider la fusée, puis là, à ce moment, ça prend beaucoup plus de temps pour la recharger. Voilà. Donc, ce petit satellite, Khéops, va nous permettre... Donc, alors, les données de Khéops sont récoltées par une énorme antenne qui est en Espagne. C'est une antenne de l'Agence spatiale européenne. Hein, Khéops envoie les résultats. Et ensuite, ces données sont acheminées à l'Observatoire de Genève, donc le centre de contrôle scientifique est à Genève, ici à l'université. Il y a toute une équipe qui travaille, qui prépare déjà l'analyse de ces données. Cette équipe a aussi préparé les cibles. Qu'est-ce qu'on va aller observer, hein, donc des étoiles dont on sait qu'elles ont des planètes, dont on connaît la masse et dont on veut connaître maintenant le diamètre. Parce que quand le satellite il est en l'air, eh bien, on ne va pas se dire « Ah ben tiens, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec ce satellite ?» Il faut que le programme soit établi bien à l'avance. Il y a toute une séquence qui est déjà prête. Le Khéops a une durée de vie normalement de 3 ans et demi. Donc pendant 3 ans et demi, il ne faut pas qu'il y ait de vide. Hein, parce que ça coûte quand même, je vous l'ai dit, un peu plus de 100 millions la mission. Donc on ne peut pas se permettre de perdre du temps à se poser la question de savoir ce qu'on va observer. Et si tout fonctionne bien, et si l'Agence spatiale et la Suisse et les pays européens ont encore un peu d'argent,
pour poursuivre l'expérience, à ce moment, Khéops pourra peut-être durer 4 ans et demi, 5 ans. Hein, ça, c'est vraiment la durée maximum. Et après les 5 ans, eh bien, il y a des petits moteurs qui sont sous le satellite, ici, qui vont, ce qu'on appelle, désorbiter Khéops, qui vont le faire rentrer dans l'atmosphère, brûler, et la mission sera terminée. Voilà. On va passer maintenant aux questions, si vous avez des questions. Donc, Michel Mayor va vous répondre aux questions que vous vous posez sur les exoplanètes. Et on va... On se croirait à Woodstock. Hein? Ah ouais, exactement. OK. Donc, je vais... Alors, levez simplement la main et on va vous passer le micro pour poser la question. Alors, première question. Là, tu passes le micro, comme ça tes collègues peuvent t'entendre. S'il vous plaît. On se calme. Sinon, on ne peut pas entendre la question et évidemment, on ne pourra pas y répondre. Oui ? Quelle est l'exoplanète habitable la plus proche, en fait ? Question difficile. En fait, il y a une planète qui a été découverte autour de Proxima Centaure. Alors, on ne peut pas faire mieux, puisque Proxima Centaure, c'est l'étoile la plus proche de nous. Elle est environ à 4 années-lumière. Les extraterrestres qui arrivent. Non. Donc, Proxima Centaure, une étoile très, très proche de nous, qui fait partie d'un système de 3 étoiles, alpha et bêta du Centaure, des étoiles un peu comme le Soleil, et c'est une tout petite... Proxima, c'est une tout petite étoile. Et alors, elle est un réacteur nucléaire extrêmement peu efficace. Donc, ça veut dire que la zone où la température est raisonnable pour la chimie de la vie, elle est très, très près de l'étoile. Elle tourne en 10 jours, si je me rappelle bien, autour de l'étoile. Et donc, elle est formellement dans une zone habitable, mais l'ennui, c'est qu'il y a, quand on est si près de l'étoile, il y a d'autres choses qui se passent. Et en particulier, pour ces étoiles-là, il y a des flux de particules à très haute énergie. Donc, je ne suis pas du tout sûr que ce soit un bon candidat pour le développement de la vie. Une autre question ? Oui ? Quelle est la composition de la planète, de l'exoplanète que vous avez trouvée ? Attendez, j'ai pas compris. Quelle est la composition ? Elle est gazeuse, rocheuse ou liquide ? Quelles sont... Bon, j'ai manqué le début de la question, c'est... Quelle est la composition ? Ok, ça va. Ouais, non. Donc... Une des conséquences de la découverte de 51 Pégase B, donc la première, c'est de réaliser qu'il y a un phénomène physique majeur qui fait que les planètes naissent à une certaine distance de leur étoile, puis après, pour différents phénomènes physiques, elles vont migrer et au début, tant qu'il y a le disque seulement, elles vont se rapprocher de l'étoile. Et si ceci a des conséquences importantes, c'est que ça crée une sorte de diversité des compositions qui est terrible. Alors, il y a les planètes géantes gazeuses, comme Jupiter, essentiellement des boules d'hydrogène et d'hélium. Il y a des planètes rocheuses, comme la Terre, c'est essentiellement des silicates et des métaux au centre, avec une atmosphère fine au-dessus. Et puis, tout d'un coup, il y a des planètes dans le système solaire, comme Uranus et Neptune, qui sont essentiellement des planètes de glace. Glace sale, avec aussi des poussières dedans, mais c'est quand des boules de glace. Alors, si maintenant on combine une planète de glace
comme Uranus, qui se trouve très loin de leur étoile, avec le phénomène de migration, elles se rapprochent. Qu'est-ce qui se passe? La glace va fondre. Et donc, on peut anticiper que beaucoup de planètes qu'on découvre actuellement sont en fait des planètes océan. Alors, c'est pas, la Terre n'est pas une planète océan, c'est une planète rocheuse avec une fine couche d'eau à la surface. Les planètes océan, c'est vraiment jusqu'au cœur, il y a essentiellement de l'eau. Et puis, il y a d'autres planètes encore, des planètes rocheuses qui sont tellement près de l'étoile que les roches vont fondre. Donc, c'est des boules de lave. Voilà. Donc, juste pour dire que la diversité de composition chimique... Alors, maintenant, la structure interne, qu'est-ce qu'il y a comme élément? Il y a partout les mêmes genres d'atomes dans l'univers. Donc, il y a toujours à peu près les mêmes atomes. Donc, c'est des combinaisons de métaux, de roches, les roches typiques, avec de l'oxygène, du silicium, etc. Une question. Oui? Attends, le micro. Ouais, c'est bon. Ça fait quoi de recevoir un prix Nobel? Attends, vas-y. Ça fait quoi de recevoir un prix Nobel? Moi, j'ai pas ça compris. Fait quoi de recevoir un prix Nobel? Ah, mais ça fait plaisir toujours. Je peux pas généraliser, mais en tout cas le premier. Juste pour compléter. Non, mais je vais peut-être quand même un peu dire un peu plus que ça. Il y a aucun doute que ça fait plaisir. Cela dit, j'aimerais quand même rendre attentif à un point. Quand j'étais à Stockholm, donc la semaine dernière, on a eu l'occasion de discuter. Donc c'est très secret, les délibérations du comité Nobel, du comité de physique, de chimie, de biologie, etc. On ne peut rien savoir de ce qui se dit. Par contre, ce que l'on a pu obtenir, c'est par exemple que pour le prix Nobel de la paix, eh bien, il y a de l'ordre de 600 nominations, candidats qui sont proposés. Le prix Nobel de littérature, c'est aussi 500 à peu près. Les prix Nobel de physique, chimie ou biologie, c'est encore de l'ordre de 300-400 par année. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur Terre, il existe énormément de scientifiques qui font du super travail. Parce qu'on va dire, parmi ces 400, 300 physiciens qui sont proposés, c'est des gens qui ont fait un travail fantastique. Donc il faut penser que le Nobel, il est donné, mais il y en a probablement des centaines d'autres qui l'auraient mérité. Voilà. Donc simplement, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même tous les autres. Tu prends une autre question là pour ici. Après. S'il vous plaît, sinon on ne peut pas entendre la question. Comment on définit la distance habitable entre une planète et son étoile? Très, très bonne question. C'est pas facile. Alors, je vais essayer de dire pourquoi un peu plus. La relation entre la quantité d'énergie reçue d'une étoile et la température à la surface est un problème difficile. C'est un problème difficile de climatologie. Regardez Vénus. Elle est un petit peu plus près du Soleil que la Terre, ou quand même significativement, mais elle a 500 degrés à la surface. Donc voilà. Parce qu'il faut toujours tenir compte de l'influence de l'atmosphère. Et donc, actuellement, ça rejoint un problème qui, probablement, j'ose espérer, vous en avez entendu parler. Eh bien, l'atmosphère de la Terre joue un rôle critique dans la température qu'il fait sur Terre. Pourquoi? Parce qu'il y a des gaz dans l'atmosphère qui sont dits des gaz qui produisent un effet de serre.
Il y a l'eau, la vapeur d'eau, mais il y a aussi le carbone dioxyde, le CO2, comment dire, qui produisent aussi un effet de serre. Donc, on ne peut pas simplement... La distance à l'étoile ne vous dit pas exactement la température qui va. Donc, en fait, il faut développer des modèles de climatologie qui sont très complexes parce qu'il y a beaucoup de phénomènes physiques qui entrent en jeu. Et donc, en particulier, la teneur des différents gaz qui sont importants par rapport à ce phénomène. Le méthane aussi joue un rôle très, très important. Mais hormis ces questions-là, donc avant tout, le paramètre critique, c'est la distance à l'étoile. C'est avant tout le premier paramètre qui joue un rôle, c'est-à-dire la quantité de flux reçu par mètre carré. Voilà. Ça, c'est ça. Alors, pourquoi on se limite au domaine de l'eau liquide? Parce que, en fait, c'est ce qui se cache là derrière. C'est parce que, d'abord, l'eau est un solvant incroyable qui favorise des relations chimiques, les réactions chimiques. Si vous avez certains atomes sur un rocher qui sont là et d'autres atomes qui sont sur un rocher ici, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Si tout ça se trouve dilué dans de l'eau, eh bien, tout d'un coup, les atomes ont des chances de se rencontrer et former de nouveaux composés chimiques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'est-ce que la vie? D'après vous, quelle est la définition que vous donneriez de la vie? Puisque ça, si on cherche la vie, il faudrait savoir comment on la définit. Et en fait, ce qui se cache là derrière, disons, prenons le cas le plus simple. Prenez un unicellulaire, une bactérie, quelque chose d'extrêmement simple. C'est déjà plusieurs centaines ou millions d'atomes. Donc, c'est déjà une usine chimique d'une très grande complexité qui a tout le savoir-faire pour échanger de l'énergie et des nutriments avec son environnement, qui sait se protéger, elle a une enveloppe pour se protéger du milieu. Bon, ça, c'est la partie de la manière dont elle fonctionne. Mais elle a une autre caractéristique absolument fondamentale, c'est qu'elle est capable de transférer tout ce qu'elle sait, la manière de se fonctionner, à sa fille, à ses descendants. Quand la cellule se scinde en deux, eh bien, elle transfère toute l'information à ses descendants, comment fonctionner. Et comment est-ce qu'elle transfère cette information? Eh bien, c'est avec l'ADN, avec le code génétique. Donc, c'est une longue chaîne d'atomes qui code l'ensemble de l'information, comment échanger d'énergie, comment se protéger, comment dire à ses descendants comment eux aussi ils devront fonctionner. C'est extrêmement important. Imaginez que tout ce que vous avez reçu de vos parents, c'est une chaîne moléculaire extrêmement longue qui code. Vous avez tous fait cette expérience, tout d'un coup, vous avez un petit enfant qui ressemble, c'est une image de sa mère. Vous imaginez tout ce que vous avez dû coder comme information pour arriver à ce genre de phénomène. Voilà. Donc, la chose peut-être la plus fondamentale de la vie, c'est ce transfert d'informations d'une génération à l'autre. Et ça, c'est une conséquence immédiate. C'est que cette longue chaîne d'ADN, quand vous êtes à, disons, moins 20 degrés centigrades, la chimie devient tellement lente qu'il n'y a plus rien d'intéressant qui se passe. C'est ce que vous faites quand vous mettez des aliments dans un congélateur, vous ralentissez le développement de la vie. Quand inversement, quand vous vous trouvez à 120 degrés environ, 120 degrés centigrades, eh bien, ces chaînes d'ADN vont se casser. C'est ce que vous faites quand vous stérilisez des aliments. Donc, en fait, le domaine potentiel où la vie peut transférer de l'information d'une génération à l'autre, eh bien, c'est un domaine qui est environ le domaine de l'eau liquide. Donc, quand les astronomes cherchent des planètes rocheuses avec de l'eau liquide, c'est parce que, d'une part, ils veulent un solvant, et deuxièmement, ils veulent permettre le transfert d'informations d'une génération à l'autre. Donc, ce n'est pas du tout, comment dire, de l'anthropomorphisme que de vouloir chercher un rocher mouillé, c'est parce que ça obéit à ce genre de contraintes. En haut, il y avait une autre question, là, par là-haut. Okay.
Caro. Oui. S'il vous plaît. Laissez votre camarade poser la question. Oui. Si la Terre avait la taille d'une orange sur la Tour Eiffel, où se trouverait la plus proche exoplanète ? Je suis désolé, je suis pas très fort au calcul oral. Hein. Disons, ce que je sais, c'est que si vous allez à Saint-Luc, dans le Val d'Anniviers, il y a un chemin, dit chemin des planètes, où vous avez d'abord quelque chose qui symbolise le Soleil, et puis à une centaine de mètres, vous avez Vénus, puis un bout plus loin, vous avez la Terre, c'est des boules de métal, etc., le long du chemin. C'est sympa hein, d'y aller là-bas. Et puis quand vous marchez, après à peu près 1h40, 2h, vous arrivez à Neptune, qui est la dernière des planètes reconnues du système solaire. Et puis après, vous pouvez encore marcher 1 heure ou 2 pour arriver à Pluton, qui était avant classé comme étant une planète. Et je ne me rappelle plus exactement le chiffre, mais si vous vouliez aller à 51 Pégase, il faudrait faire, je ne sais pas, une dizaine de fois le tour de la Terre. Enfin, voilà. Donc, c'est beaucoup plus loin. Je vais prendre les choses différemment. La lumière met 1 seconde pour aller à la Lune. Elle met 8 minutes pour aller au Soleil. Elle met environ 1 jour pour traverser tout le système solaire. Elle met 100 000 ans pour traverser la Voie lactée. Donc, gardez ça en tête. Alors, voilà, une autre chose qu'on peut dire à ce sujet-là. Vous avez 200 milliards d'étoiles dans la Voie lactée. La plupart ont des âges de plusieurs milliards d'années. Elles ont toutes des orbites différentes. Donc, vous imaginez ces orbites qui se croisent, qui passent comme ça pendant des milliards d'années, 200 milliards d'étoiles, et il n'y a jamais de collision. Donc, il n'y a jamais de collision étoile-étoile, collision dure. Ça vous dit le vide énorme qui existe entre les étoiles. Voilà, ça c'est peut-être une manière un peu détournée de répondre à la question de l'orange. Voilà, le bras blanc. Attends. S'il vous plaît. Laissez votre collègue. C'est un peu indiscret comme question, mais vous aviez quel âge quand vous avez découvert les exoplanètes? Je n'ai pas compris. Et pourquoi vous recevez seulement 24 ans après ? Mais c'est facile à répondre comme question. En gros, je suis né au moment où les photons sont partis de l'étoile pour nous arriver. Donc, les photons qu'on a détectés avaient à peu près le même âge que moi. Mais... Alors, j'avais 53 ans. C'est le monsieur en bas, tu vois. Le micro. C'est le monsieur en bas. Tu vois ça, tu vois. Ouais. J'y passe. S'il vous plaît. Je sais, il y a plein de questions, mais je pense qu'on n'arrivera pas à satisfaire tout le monde. Enfin bon, essayons. Vas-y, pose ta question. Est-ce que vous allez, avez un instant, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que vous avez toujours voulu travailler dans ce domaine? Est-ce que vous avez toujours voulu travailler dans ce domaine? Non.
Non. Parce que, en fait, quand j'avais plus ou moins votre âge, j'étais vraiment intéressé par la science. Et puis, comment dire, j'ai commencé des études. La première année, je ne savais pas que choisir. J'ai pris les deux domaines, mathématiques et physique. Mais après une année, on est obligé de choisir. La première année, il y a tellement de cours communs que c'était encore possible de faire les deux. Deuxième année, il fallait choisir. Et j'ai choisi de faire de la physique. Et puis, en quatrième année, j'ai fait de la physique théorique. Ben, j'aime bien ça et tout. Et puis, voilà. Donc, maintenant, alors, pour revenir à la question, à la fin de mon diplôme de physique, de physicien, il y avait des offres d'emploi où on disait il y a une place pour faire un doctorat à tel endroit ou à tel endroit. Ce jour-là, il y avait, entre autres, une offre d'emploi pour aller faire de l'astrophysique à l'Observatoire de Genève. Je me suis dit, je vais aller voir si c'est intéressant. J'ai été discuté. Et puis, voilà, ben, je suis resté là. Mais ce jour-là, s'il y avait eu une annonce pour faire de l'océanographie ou de faire de la géophysique et beaucoup d'autres domaines de la science, j'aurais eu exactement le même plaisir à le faire. Juste pour situer, bon, je me plains pas d'avoir fait de l'astrophysique, on est d'accord, hein. Mais dans les années 70, donc moi j'ai fini mon diplôme de physique en 1966. Mais juste après, il y a eu des découvertes fondamentales en géophysique. Vous savez, c'est là qu'on a découvert la tectonique des plaques, c'est-à-dire le fait que, comment dire, les continents se séparent et puis ça a été prouvé, il y a eu la cartographie des fonds océaniques, etc. Donc il y a eu des choses absolument fascinantes qui se sont faites à ce moment-là. La fille avec le bras... Oui, un peu à côté. Là. Derrière. S'il vous plaît. Combien ? C'est pas difficile, hein, 600 élèves. Combien de temps mettrait une fusée pour aller sur l'exoplanète la plus proche, sans compter les obstacles et les manques de carburant, etc. J'adore cette question. Je vais répondre avec une image. Ah non, mais je peux pas. Désolé, c'est pas mon ordinateur, voilà. Alors, je vais faire ça avec les mains. L'homme est allé sur la Lune avec la mission Apollo 11. Il a mis 3 jours pour y aller. La lumière met 1 seconde pour y aller. Alors maintenant, imaginez qu'on trouve la planète parfaite pour habitable, qui se trouverait, disons, à 30 années-lumière. Alors je vous rappelle que la galaxie fait 100 000 années-lumière. Donc 30 années-lumière, c'est vraiment une proche voisine. Alors voilà, 30 années-lumière, c'est environ 1 milliard de fois plus loin que la Lune. Alors maintenant, vous faites le calcul, 1 milliard de fois 3 jours, ça commence à faire long, hein, pour y aller. Donc, si vous voulez aller avec Apollo, une fusée équivalente à Apollo 11, jusqu'à une étoile très, très proche qui éventuellement serait habitable, eh bien, vous devez mettre 3 milliards de jours. 3 milliards de jours, vous divisez par 365, ça fait encore des millions d'années. Des millions d'années. Alors, évidemment, vous êtes tous des optimistes et vous dites... Bon, ben, il n'y a pas de problème. L'homme, il est capable de faire mieux. Hein. Donc, il peut aller plus vite. Le problème, c'est que pour passer de la vitesse d'Apollo 11 à ce que soit un temps tel que le temps soit raisonnable, donc si vous allez à la vitesse de la lumière, vous ne pouvez pas aller plus vite, ce serait déjà 30 ans. Il faut accélérer, il faut décélérer. En plus, vous n'irez pas à la vitesse de la lumière. Donc, de toute manière, vous êtes parti pour
un voyage d'un siècle, comme ça. Et en plus, l'énergie pour accélérer est complètement déraisonnable. Quand je dis déraisonnable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle devient comparable à la totalité de l'énergie consommée sur Terre en une année. Impossible. Et puis, écoute, ce ne serait pas drôle. Imaginez d'être dans une boîte de conserve pendant 10 000 ans. Voilà, donc en fait, c'est ça qui se cache là-dedans. Non, on ne pourra pas quitter, l'humanité ne quittera pas la Terre. On peut aller dans le système solaire, aller à Mars, etc., ça, il n'y a pas de problème. Enfin, pas de problème, c'est difficile, mais enfin, c'est possible. Par contre, aller à une exoplanète, non, ce n'est pas possible. Désolé de casser le rêve de tous les Star Wars et autres. S'il vous plaît. Un instant. Oui, c'est toi qui as le micro. Parle plus fort. Comment calcule-t-on l'âge d'une exoplanète? Comment calcule-t-on l'âge d'une exoplanète, c'est ça? Ah, d'accord, très bien. En fait, ce qui se cache derrière cette question, ce n'est pas l'âge d'une exoplanète, mais c'est l'âge d'une étoile. Parce qu'en fait, elles naissent dans le disque d'accrétion qui existe seulement au début de la vie d'une étoile. Donc, il faut savoir comment on donne un âge à une étoile. Alors, les étoiles se forment donc par contraction d'un nuage de gaz. Puis après, il y a un réacteur nucléaire qui se met à marcher au centre. Et la théorie de l'évolution des étoiles est une théorie qui est extrêmement développée et où on peut suivre le changement de la température à la surface d'étoile et de la luminosité. Donc, en faisant des mesures très précises de la luminosité et de la température de surface, les astrophysiciens peuvent donner un âge aux étoiles, donc après aux planètes qui tournent autour. Avec les lunettes. S'il vous plaît. C'est quoi la grandeur de la plus grande exoplanète qu'on a trouvée et de la plus petite? C'est quoi la plus grande et la plus petite? Quelle est la taille de la plus grande et de la plus petite qu'on ait trouvée? S'il vous plaît. Je ne vais pas répondre à la taille, mais je vais plutôt parler de la masse. Alors, actuellement, la mission Kepler a découvert des objets dont le rayon était beaucoup plus petit que le rayon de la Terre, qui sont des rayons de l'ordre de la dimension de Mars, qui est plus petite, nettement plus petite que la Terre. La masse, on ne les connaît pas. Donc, voilà. Donc, si on parle de dimension, eh bien, c'est environ la moitié de la dimension du rayon de la Terre. Si on parle de masse, les plus petites qui ont été mesurées, c'est de l'ordre de la masse de la Terre. Par ailleurs, si on regarde du côté plus grand, eh bien, on trouve des planètes qui ont des masses de 10 fois, largement 10 fois, peut-être 15 fois la masse de la Terre, de Jupiter, 15 fois la masse de Jupiter, c'est-à-dire que c'est de l'ordre de... Qu'est-ce que ça fait? 5000 fois la masse de la Terre. Donc, on découvre des planètes vraiment gigantesques.
Elle se pose à ce moment-là la question de quelle est la limite, quelles sont les plus, la physique, comment dire, quelle est la plus grande masse d'une planète qui soit possible. Et ça, ça relève de la théorie de la formation des systèmes planétaires. Et là, actuellement, il y a beaucoup de discussions là autour. Donc, disons, entre la moitié de la masse de la Terre et quelques milliers de fois la masse de la Terre. OK, tout en haut, là, à gauche, là. Oui. Comme vous l'avez dit avant, on ne pourra jamais quitter la Terre. Mais est-ce que vous avez déjà... Enfin, genre, est-ce qu'il y a une exoplanète qui ressemble, qui est très similaire à la Terre et où on pourrait envisager d'habiter? Ben voilà quoi. J'aborde tout de suite. Ah, voilà, ça y est. Voilà. Alors, ici... S'il vous plaît. Ici, c'est un diagramme que j'ai déjà montré qui montre le rayon des planètes en fonction, découvertes par le satellite Kepler en fonction de la période. Alors, vous voyez ici, vous êtes à... Donc, 1, c'est la masse, le rayon de la Terre. Et puis, la Terre serait par ici... Attendez, je vais essayer de reprendre le non, je ne l'ai pas. Ah oui, il est là. Donc, voilà. La Terre serait dans cette région-là, 300 et quelques jours... Et puis, une fois le rayon. Donc, on voit que le satellite Kepler, bien qu'il ait été exceptionnel dans le taux de découverte qu'il a fait, n'a pas trouvé d'objet qui se trouve dans la région de la Terre en masse et en période. Pourquoi ? Parce que, simplement, il n'avait pas la sensibilité et la durée de vie nécessaire pour trouver. Ce n'est pas qu'elles n'existent pas, ces planètes. Simplement, la mission n'a pas durer suffisamment longtemps pour trouver les objets qui se trouvent dans cette région là en dessous. Par ailleurs, vous voyez ici, pour répondre par rapport à la question précédente, tous ces objets qui sont plus petits que la Terre et qui ont été découverts par cette mission. Alors, encore deux questions et puis après, on va vous libérer. Hein? Alors, on va prendre une devant. Il est où le micro? Il faut une devant le micro? Ouais. Une de la gauche. Attendez. Voilà. C'est l'avant-dernière question. Hein. Ok. Vous êtes-vous concentré sur d'autres projets après votre découverte? Attends, vas-y. Ok. Vous êtes-vous concentré sur d'autres projets après votre découverte? Non, j'ai pas compris là. Tu peux... Vous êtes-vous concentré sur d'autres projets après votre découverte? Oui. Voilà. Hey. Alors, oui, parce que on a découvert il y a environ 20 ans la première planète. C'était un domaine extrêmement stimulant. Donc, on a démarré des quantités de programmes, on a construit de nouveaux instruments, et donc, entre autres, on a essayé de faire un programme avec des milliers d'étoiles pour chercher les planètes, dans l'idée d'avoir une vision un peu complète en période, en masse, en composition chimique des étoiles, etc., en forme des orbites, pour, comment dire, donner une base observationnelle aux gens qui faisaient de la théorie. Voilà. Donc oui, et bien, on a fait encore des tas d'autres programmes. Quelle est la composition chimique minimum d'une étoile pour que se forment des planètes, etc. On a énormément de planètes différentes qui sont là autour.
Voilà, alors la dernière question, là-bas. Oui. Oui, les garçons en rouge. Voilà. S'il vous plaît. C'est totalement subjectif. Oui. S'il vous plaît. Si on était extrêmement optimiste et que par un heureux hasard, on trouvait un trou de ver, on pourrait quand même possiblement atteindre la première exoplanète. Alors, s'il vous plaît. Je vais peut-être expliquer ce que c'est d'abord qu'un trou de ver. La relativité générale, la théorie de la gravitation d'Einstein, comment dire, prévoit des choses compliquées. Dans certains cas, justement, il y a apparemment des solutions transitoires qui sont violées certaines, comment dire, règles évidentes dans la vie de tous les jours. Et donc, des gens trouvent des solutions qui permettraient justement d'aller beaucoup plus vite et remonter même, violer le principe de causalité. Comment dire, ces solutions, autant que j'en sache, n'ont aucune stabilité. Donc elles durent un milliardième de seconde ou comme ça pour une particule, mais elles ne sont absolument pas des solutions viables à l'échelle macroscopique. Donc non, à ma connaissance, avec l'état actuel de la physique, non, ce n'est pas possible. La fin, c'est bien, hein. Bon. Ben voilà, nous arrivons au bout de cette session questions-réponses. C'est clair qu'on ne peut pas répondre à tout le monde. Michel n'a pas 3 jours pour répondre à toutes vos questions. Enfin, voilà, on espère avoir un peu ouvert le champ des exoplanètes et peut-être susciter votre curiosité ou dire, tiens, peut-être qu'un jour, je ferai de la physique et de l'astronomie et pourquoi pas utiliser ce extraordinaire instrument qu'il faut le dire est construit par les Européens. Ça veut dire que la Suisse participe à la construction de ce télescope. Ça veut dire que les astronomes suisses pourront l'utiliser. Alors on ne pourra pas l'utiliser 24 heures sur 24 puisque la Suisse paye 5% à peu près, mais c'est quand même un instrument qui pourra être à notre disposition. Voilà, nous vous remercions. Merci Michel Maillard.